dans sa stalle de départ. Et c'est sous la chaleur que part cette première compétition, 2150 mètres à effectuer, avec un tour de piste plus la ligne droite. Ayoub s'empare tout de suite du commandement. Nimrod à l'extérieur vient également aux avant-postes. Lookalike est également bien placé. On est là côté corde avec Enjoy Vigée également. Quant au grand ici, quant à l'un des favoris, Apollo Flight, il se retrouve en quatrième ou cinquième à mi-peloton et juste derrière lui galope le numéro 8, Justin. Ils sont à un tour de l'arrivée avec Ayoub qui a le meilleur devant le numéro 2, Lord of the Alps, et Clément Lheureux en vient ensuite côté corde avec Enjoy Vijay Nimrod qui lui est à flanc de peloton suivi par le numéro 1, Apollo Flight. On vient également avec Lookalike. Justin est côté corde avec sa casaque blanche et ses points noirs. On a un Flying Officer en avant-dernière position et c'est Gold Street et Nicolas Gilbert qui ferment la marche de ce peloton compact qui attaque la ligne opposée. On attaque en face avec toujours Ayoub et Denis Schirgen qui dirige les opérations sur cette piste décordée à Lissa Zero aujourd'hui, avec son sillage Lord of the Alps, le numéro 2. On est toujours côté corde avec Enjoy Vigée, Nimrod en troisième position, Apollo Flight est cinquième, juste devant Justin qui continue à progresser côté corde. Et c'est le drone qui nous montre les positions des protagonistes avant l'arrivée du dernier virage, avec toujours Ayoub qui a l'avantage. Et c'est Flying Officer qui ferme maintenant la marche. Gold Street préférer venir côté corde. Concurrents qui sont dans le tournoi final avec Ayoub qui a toujours l'avantage dans cette épreuve. On est là toujours avec Lord of the Alps, avec également Enjoy Vigée. On est avec Justin en quatrième position. On essaye de venir côté corde avec le numéro 1 Apollo Flight. Nimrod qui est également là, avec Apollo Flight qui est sollicité au bras pour pénétrer dans la ligne droite avec Ayoub qui a toujours l'avantage. Et on essaye de venir maintenant avec Lord of the Alps. Ayoub qui a toujours le meilleur avec Enjoy Vigée tout à l'extérieur. Lookalike qui essaye de se rapprocher. On essaye de venir en dedans avec Apollo Flight. Mais Nimrod qui essaye également de venir. Ayoub qui a toujours le meilleur à 150 mètres de l'arrivée. Alors que maintenant Flying Officer et Lookalike finissent en trombe à l'extérieur. Flying Officer qui vient tout en dehors. Flying Officer qui vient maintenant arracher la victoire sur le fil devant Ayoub avec la troisième place pour Enjoy Vigée. Il y a des surprises à l'arrivée de ce prix de Frauenfeld avec Ayoub qui a longtemps donné l'impression de pouvoir s'imposer mais qui va subir l'attaque finale du numéro 3, c'est-à-dire Flying Officer. La deuxième place est donc pour Ayoub, le numéro 6. La troisième étant pour Enjoy Vigée, le numéro 9. Les deux Kreuliger sont à l'arrivée. Et pour la quatrième place, il y aura une photo entre Justin et Lookalike, les deux pensionnaires de l'entraînement de Claudia Erni. On revoit la phase finale. Ayoub, tête et corde, aujourd'hui, restait sur une tentative à Milan. M'a dit peut-être dans les quatre. Et bien voilà, les deuxièmes, elles courent de première. Flying Officer vient très vite avec Karine Swalen à distance, surgit et arrache la victoire sur le poteau. L'ordre d'arrivée est donc victoire du numéro 3.